Mesdames, Messieurs, bonsoir. Détruire une arme, c'est sauver des vies. C'était le thème de la journée internationale de la destruction des armes illicites célébrée par notre pays le 16 juillet dernier. Objectif de la journée, sensibiliser le public sur les dangers liés à la prolifération des armes légères et encourager les États à s'engager dans leur élimination. Une journée marquée par une opération de destruction d'armes, fruit d'un long processus. La prolifération des armes illicites, un fléau aux conséquences multiples dans un monde en pleine mutation sur le plan sécuritaire. Comment le Mali y fait face? Lieutenant-colonel Adama Diarra, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le secrétaire permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Mali. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Sans mot d'où remercier. Alors nous sortons donc de la commémoration de cette journée internationale de destruction des armes illicites. C'est une journée instituée par les Nations Unies avec quel objectif, monsieur Diarra? Merci pour la pertinence de la question. Et le problème est d'actualité. Il s'agit d'une question de sécurité et les armes sont au cœur de la problématique liée à l'insécurité dans notre pays et dans la région. Raison pour laquelle les Nations Unies en 2001 ont décidé d'instaurer l'élimination des stocks excédentaires au niveau des États ou d'éliminer les armes illicites qui ont servi à commettre des actes de vandalisme, des actes de violence. Raison pour laquelle nous ne sommes pas restés en marge de cette activité. Nous avons décidé de célébrer cette activité avec le reste du monde pour quand même rendre justice aux victimes de ces armes illicites, ces armes qui ont servi à commettre des violences du droit humanitaire et des violences liées aux droits de l'homme. Donc d'un côté, il y a les stocks détenus par les États, les excédents, et de l'autre côté, ceux détenus par Monsieur Tout-le-Monde. Et effectivement, la destruction, ça concerne les deux aspects. Les stocks excédentaires qui ne sont plus utilisés pour que ces stocks ne se détruisent plus dans un circuit illicite. Raison pour laquelle il faut les retirer et ensuite procéder après toutes les procédures en la matière, il faut passer maintenant à la destruction. Et également des armes illicites qui ont servi à commettre des forfaits sur des paisibles populations qui ont fait l'objet d'une confiscation au niveau des différentes juridictions. Donc la destruction concernait ces différentes catégories d'armes. Et l'objectif, c'était quand même de sensibiliser les populations par rapport à la problématique liée au danger des armes légères et petit calibre et également constituer un soutien pour toutes les victimes civiles et militaires dues aux armes. D'un côté, on parle d'armes illicites et de l'autre, d'armes légères et de petit calibre. De quoi parlons-nous dans les deux cas? Dans la grande catégorie des armes à feu, nous avons les armes légères, qui sont les armes généralement utilisées par plusieurs personnes, c'est-à-dire d'une personne, de deux à trois personnes ou quatre personnes, voire, pour leur fonctionnement. Généralement, nous trouvons ces armes-là sur des véhicules des militaires de façon simple pour expliquer. Donc, ce sont ces armes-là qu'on appelle les armes légères, qui nécessitent plusieurs personnes pour assurer leur fonctionnement. Par contre, les armes de petit calibre, ce sont des armes qui sont utilisées par un seul individu pour assurer son fonctionnement. Et c'est généralement des armes d'épaule, les fusils AK-47 utilisés par les forces de défense et de sécurité, les fusils à pompe généralement utilisés par les sociétés de gardiennage pour les prestations de services, et également des fusils individuels, les pistolets automatiques qui sont utilisés également par certaines forces de sécurité ou bien par des individus particuliers avec une autorisation préalable d'autorisation de port d'armes. Donc ce sont des armes légères et de petit calibre, ces deux catégories. Mais maintenant, une arme illicite, c'est une arme qui a été acquise hors du circuit légal. Hors du circuit légal, c'est-à-dire une arme qui se trouve entre les mains des personnes qui ne sont pas habilitées à les détenir. La détention de l'arme relève des prérogatives de l'État, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité qui sont habilitées à les utiliser. Maintenant, une personne, une tierce personne ou un groupe d'individus qui parvient à se procurer de certaines armes et sans une documentation préalable, ces armes sont considérées comme des armes illicites. D'accord. Quand les Nations Unies quand même se saisissent de ce dossier, ça veut dire que c'est un fléau qui ne touche pas un seul pays. Quelle est l'ampleur de ce phénomène au niveau mondial et ses conséquences aussi? Aujourd'hui, il faut reconnaître que le monde aujourd'hui est en pleine mutation sur le plan sécuritaire, marqué par l'émergence des conflits, des crises et une augmentation des activités de terrorisme, la criminalité transnationale organisée. Donc, et toutes ces activités pour maintenir une certaine forme de violence, une certaine forme de belligérance, ces acteurs sont obligés de faire recours aux armes. D'où la nécessité aujourd'hui, il faut reconnaître aujourd'hui qu'avec la multiplicité des conflits, avec les actes de terrorisme et avec la criminalité transnationale organisée, les demandes d'armes sont de plus en plus fortes. Donc il y a une hausse de la présence d'armes dans nos communautés pour quand même continuer à mener ces différentes activités. Avec quelles conséquences? Les conséquences sont énormes, surtout sur les populations.
pas sur les populations civiles, il faut spécifier. Parce que les forces de sécurité et de défense ont une certaine formation pour assurer leur propre protection, d'une part, mais en plus, doivent assurer la population des personnes et les biens sur l'ensemble du territoire. Il est arrivé des moments où des petites populations ont été victimes de ces armes-là sur notre territoire. Et ça a provoqué des déplacés, que ce soit à l'interne ou des réfugiés à l'extérieur du Mali. Parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître que nous avons été victimes d'une certaine conspiration internationale où des grands groupes de banditisme ou de terrorisme sont retrouvés sur le territoire malien et commettent des exactions sur nos pauvres populations à travers ces armes illicites ou à travers les armes qui ont été acquises d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, les conséquences immédiates, c'est sur les populations les plus vulnérables surtout, qui n'ont pas de possibilité d'assurer leur propre sécurité et le contraignant soit à un déplacement à l'intérieur du pays d'un point A vers un point B ou à l'extérieur du pays et c'est constitué des camps de réfugiés. Donc c'est la dislocation du tissu social d'une certaine façon. Et si on remarque aujourd'hui, les gens ne sont plus capables de vaguer à leurs occupations quotidiennes. C'est-à-dire les gens ne sont plus capables d'aller au champ cultiver, les gens ne sont plus capables d'aller à l'école pour éduquer les enfants, les gens ne sont plus capables d'aller au marché pour les activités liées au mercantile, et etc. Les conséquences sont sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan démographique, sur tous les plans d'une certaine façon. Raison pour laquelle il faut prendre des mesures appropriées pour pouvoir quand même freiner ces phénomènes. Mais est-ce qu'on a un moyen d'évaluer, on va dire, la quantité d'armes qui circulent de façon illicite sur notre territoire ? Ces dernières années, il est très difficile de quantifier le nombre d'armes illicites en circulation au Mali. Et c'est dû au contexte sécuritaire parce qu'un pays en conflit, les armes rentrent un peu partout. Parce que le Mali a connu une période difficile de son histoire où les armes sont venues en grande quantité. En provenant de certaines contrées, soit des régions du nord ou des régions du sud au pays. Donc, raison pour laquelle aucune étude n'a pu démontrer, n'a pu quantifier le nombre d'armes illicites au Mali. Donc, au fur et à mesure qu'on les récupère, nous avons mis en place une base de comptabilité, quand même, pour se faire une idée, plus ou moins, du nombre d'armes illicites. Lorsque nous avons mis en place notre base de données, un système intégré de gestion des armes à feu et à munitions au Mali, ça fait 2022 à maintenant, nous sommes à plus de 1800 armes illicites que nous avons enregistrées dans la base des données. Et les munitions sont aux normes de plus de 20 000 munitions illicites que nous avons. À chaque fois quand les armes illicites sont saisies, on les répertorie dans la base des données et on s'est fait une idée de la comptabilité. Mais M. Diarra, le port d'armes par les civils dans notre pays n'est pas nouveau et se justifie historiquement et culturellement. Effectivement, le port d'armes est d'abord culturel au Mali. Parce que c'est une tradition ancrée dans nos sociétés. Et il faut reconnaître que les artisans fabricants d'armes également, c'est une pratique qui a existé même avant le Mali. Parce que le Mali a constitué des différentes couches socio-professionnelles. Donc, l'État n'a jamais refusé à ce que les civils portent des armes. Mais il y a une réglementation à la matière. Il y a une nouvelle loi, la loi 2021-028, régissant les armes et munitions en République du Mali, a été adoptée par le Conseil national de transition. Donc, cette loi prévoit que les civils puissent détenir des armes. Mais il y a toute une procédure en la matière. Il ne s'agit pas d'aller se payer une arme et puis porter pour assurer sa propre sécurité. La sécurité des personnes et des biens est assurée par les forces de défense et de sécurité. Donc un individu, par rapport à ses activités, peut décider d'acquérir une arme. Et pour acquérir cette arme-là, il faut se conformer aux dispositions législatives, aux dispositions réglementaires qui encadrent la détention de l'arme, depuis l'autorisation d'importation ou d'achat jusqu'au permis de port d'armes. Et la fabrication ? La fabrication des armes est autorisée au Mali, mais c'est encadré parce que la loi prévoit la fabrication artisanale des armes et il s'agit des armes de première catégorie. Les armes de première catégorie, c'est quoi ? C'est des fusils de chasse. C'est des fusils de chasse, c'est des fusils à canon lisse où les portées ne sont pas aussi grandes que ça. C'est maximum 50 mètres. Et ça ne peut pas faire un système de rotation pour que la portée de l'arme puisse augmenter. Et les artisans fabricants d'armes au Mali sont répertoriés aujourd'hui. Nous avons répertorié 346 artisans fabricants d'armes. Nous avons constitué une base de données à la matière. Et notre objectif, c'est de diminuer au maximum la fabrication artisanale d'armes. Et en passant, il faut reconnaître que l'État a interdit la fabrication des pistolets artisanaux. Ces pistolets qui, aujourd'hui, sont faciles à dissimuler et qui facilement sont utilisés par des bandits pour attaquer aux paisibles citoyens. Donc aujourd'hui, cette catégorie d'armes n'est pas autorisée par les artisans. Les armes
pour lesquels ils sont autorisés à fabriquer, c'est seulement les fusils de chasse. Parce que la chasse est une pratique courante dans notre société. Et aussi le port de ces fusils de chasse-là pour des activités culturelles sont autorisés. Le port est utilisé en ce moment. Porter une arme pour se défendre n'est pas autorisé au Mali. N'est pas autorisé au Mali. Mmh. Exception faite de certaines couches socio-professionnelles qui, pour des activités particulières, qui utilisent beaucoup d'argent, ou bien qui, pour sauvegarder leurs biens ou leur boutique, ces personnes-là peuvent faire une demande adressée au ministre de la Sécurité pour pouvoir avoir une autorisation d'importation et ensuite une autorisation de port d'armes pour assurer leur propre sécurité et assurer la sécurité de leur activité. Il faut une dérogation. Alors parlons de cette opération de destruction d'armes que vous avez menée. Hein. Quelle quantité d'armes et est-ce que c'était une opération symbolique? Pour la campagne 2023-2024, parce que 2024 court toujours, nous avons quand même pour le moment 186 armes que nous avons pu récupérer pour cette campagne, et qui est en baisse par rapport à l'année dernière, effectivement. Donc 186 armes qui ont été récupérées, qui ont été enregistrées et qui ont fait l'objet de destruction. La destruction n'est pas systématique. Parce que certains vont se dire que nous sommes dans un pays en guerre ou pourquoi détruire les armes. Et il y a différentes méthodes de destruction. Nous avons opté pour la destruction par découpe à l'aide d'une machine. Une machine qui découpe les armes en petits morceaux de telle sorte que ces armes ne puissent plus être utilisées pour d'autres fins. Donc la destruction n'est pas systématique parce qu'il y a des armes qui sont issues du stock étatique, des armes qui appartiennent à l'État, qui ont été saisies lors des opérations militaires sur des terroristes. C'est des armes qui sont en dotation dans notre armée, qui sont utilisées par nos forces de défense et de sécurité. Et ce sont des armes qui ont été acquises avec les fonds de l'État, avec l'argent du contribuable malien. Donc ces armes, lorsqu'elles sont saisies, elles sont documentées. Et lorsque la documentation est terminée, ces armes-là sont reversées au stock étatique pour un usage ultérieur sur la responsabilité de l'État. Mais toutes les armes qui ne sont pas en dotation dans notre armée ou des armes qui ont été acquises en marge de la réglementation ou en marge de la législation, ces armes systématiquement font l'objet de destruction. Et la destruction se fait en présence de tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne pénale. Parce qu'elles ne peuvent pas être utiles, elles sont inutiles, inutilisables par les forces de défense et de sécurité. Oui, parce que ce sont les armes sur lesquelles n'ont pas été formées. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas été formées. Pour pouvoir utiliser un matériel, il faut qu'il y ait une formation préalable sur ce matériel. Donc, c'est des armes qui sont venues de divers contrées, des contrées au sud ou au nord du Mali. Donc, si tu n'as pas une formation adéquate sur cet engin précis, l'utilisation va constituer un handicap au lieu que ça puisse t'arranger. Raison pour laquelle ces armes-là, il faut les passer directement à la découpeuse pour qu'elles ne soient plus utilisables. Quand elles viennent de l'extérieur, par exemple, parlons des armes saisies sur les terroristes, par exemple, qu'est-ce que vous en faites? Les armes qui sont saisies par les terroristes lors des opérations militaires, il y a une entité qui a été mise en place par le Mali, notamment le police judiciaire spécialisé, et puis également la brigade d'investigation spécialisée qu'on appelle la BIS. Les armes sont orientées, ainsi que les terroristes, vers ces juridictions-là. Et ces structures avec qui nous travaillons, nous faisons ce qu'on appelle la documentation de ces armes. La documentation sur plusieurs aspects. L'identification, le profilage en vue du traçage. Parce que quand on identifie, il y a des écriteaux sur les armes, il y a différents marquages sur les armes. Donc ce sont ces marquages qui sont utilisés, qui sont analysés pour déterminer la provenance de ces armes-là. On peut constituer une base de données locale au Mali ou une base de données régionale avec l'Interpol. Donc, pour se faire une idée de la provenance de ces armes. Une fois la provenance est connue, ça va nous permettre de se faire une idée également des acteurs que nous avons sur le territoire malien. À un moment donné, nous avons documenté des armes et il s'est avéré que ce sont des armes qui proviennent de la Syrie. Cela prouve à suffisance que nous avions des Syriens sur le territoire malien et par conséquent l'État islamique sévissait sur certaines contrées du Mali, sur certains pans du territoire dans le cadre de la lutte, dans le cadre du terrorisme. Donc c'est l'avantage de faire la documentation avant la destruction. Donc une fois que cette documentation est terminée et que la procédure judiciaire concernant le terrorisme est terminée, les armes sont saisies définitivement, confisquées et c'est à l'issue que ces armes-là passent pour la destruction. Ouais, c'est des armes souillées qui ont été utilisées pour commettre des forfaits, pour commettre des violences. Donc ce type d'armes ne peut plus se retrouver dans un circuit licite. Et ces armes ne peuvent plus être utilisées par un État qui a signé et ratifié des accords et des traités. Donc l'obligation est faite aux Maliens en ce moment de respecter ses engagements vis-à-vis de l'international. Donc une arme souillée ne peut plus se retrouver dans un circuit licite utilisé à plus forte raison par l'État.
Raison pour laquelle nous mettons ces armes de côté et nous procédons à leur destruction de façon symbolique le 9 juillet. Et quand il s'agit d'armes artisanales, ça veut dire que ça ne sert plus à rien. C'est pas utile parce que c'est pas peut-être conventionnel, réglementaire. Effectivement, quand il s'agit d'armes artisanales, parce que ce sont les armes artisanales ne sont pas utilisées par nos forces de défense et de sécurité. Donc ces armes artisanales ne servent plus à rien. Donc quand elles sont saisies, après la documentation, il faut passer à leur destruction parce qu'on ne peut pas les remettre à quelqu'un d'autre pour pouvoir utiliser. Donc systématiquement, c'est pour concernant ces armes-là, la destruction est faite. Alors vous avez parlé d'un chiffre de 100 combien d'armes ? 186 armes. 186 armes. Pour la campagne 2023-2024. D'accord, chiffre en baisse par rapport à l'année dernière. Est-ce à dire que la prolifération, le phénomène de la prolifération des armes légères et de petit calibre est en baisse par rapport à l'année dernière ? Bon, il sera très rapide pour moi de m'aventurer sur ce terrain, dire que ça en baisse ou pas, mais c'est peut-être sur un cycle à court terme, 3 ans, 4 ans, en fonction de la tendance, on peut se prononcer dessus. Mais pour le moment, comme l'année n'est pas terminée, nous ne savons pas d'abord, peut-être qu'il y aura d'autres armes qui seront saisies, et la campagne de sensibilisation continue. Peut-être dans les mois à venir, il y aura des dépôts volontaires des armes, et c'est pour ça qu'on puisse atteindre les chiffres de l'année dernière, d'ici le mois de décembre. Qui était le chiffre, c'était l'année ces dernière. Chiffres, ça frôlait un peu les 300, les 300 avec plus de militaires également. Mais l'avantage de cette campagne était que c'est une campagne cumulée de 2 ans pour l'année dernière. C'est une campagne cumulée de 2 ans, d'où l'importance des statistiques à ce niveau. D'accord. Voilà. Vous parlez donc de campagne, vous parlez de dépôt volontaire d'armes. Parlez-nous de ce processus à l'issue duquel ces armes ont été collectées. Au regard de la situation, au regard du contexte, nous avons élaboré un plan d'action quinquennal 2019-2023. Et une place de choix a été accordée à l'atténuation de la possession civile des armes. Pour dire qu'il faut dépolluer nos communautés de la problématique liée aux armes. Donc, pour ce faire, il faut des engagements. Des engagements forts qui doivent être pris par les leaders communautaires et par les populations elles-mêmes. Donc, nous faisons ce qu'on appelle la sensibilisation à l'endroit de toutes les couches sociales professionnelles, que ce soit les leaders communautaires, les leaders religieux, les populations elles-mêmes au sein des communautés, pour leur parler de la problématique liée. Donc, une fois que nous avons les adhésions, nous discutons avec elles pour dire voilà, il y a une réglementation en vigueur. Et cette réglementation interdit aux civils ou aux populations de détenir les armes sans documents. Donc, c'est des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation, des plaidoyers communautaires que nous faisons. Et ensuite, on les met devant. On les met devant parce qu'on met en place ce qu'on appelle les commissions locales de récupération des armes dans les différentes localités concernées après la campagne de sensibilisation. Donc, entre-temps, on leur donne du temps pour se regrouper, pour s'organiser. Et avec l'adhésion de tous les responsables au niveau communautaire, il y a des périodes où les gens vont déposer. Donc, lorsque les armes sont déposées auprès des commissions locales de récupération des armes-là, Nous venons ce qu'on appelle, on fait ce qu'on appelle une évaluation de leurs besoins spécifiques par rapport à des projets communautaires que nous pouvons réaliser aux plus déposants. Ceux qui déposent beaucoup de plus d'armes bénéficient de certains projets communautaires. Donc, une fois que nous faisons l'évaluation avec les populations, en tenant compte de leurs besoins spécifiques, les armes sont récupérées, transportées à Bamako, sur le site de stockage approprié à cet effet. Parce que nous avons des capacités de stockage appropriées pour que les armes ne soient plus soutirées de ce site-là et puis se retrouver dans un circuit illicite. Donc, l'évaluation est faite. Nous cherchons des financements avec des partenaires pour mettre en œuvre les projets communautaires. On ne donne plus d'argent aux déposants volontaires. Il faut que les gens s'y mettent en groupe. Donc, vous ne traitez plus avec les individus. Les individus, d'accord. Les communautés. Les gens s'y mettent en groupe, déposent les armes et on réalise des projets pour que ces projets soient bénéfiques pour l'ensemble de ces communautés-là. Donc, nous avons quelques exemples. Nous avons dans la localité de Kaye, où il y a eu des dépôts volontaires de 350 armes. Nous avons quand même pu réaliser 2 banques de céréales au profit des communautés de ces localités. Il s'agit de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de mil, 5 tonnes de sorgho, 2 banques par communauté, Tafasirga et puis Apideni. Donc, ces localités ont bénéficié de ce projet. On les a formés également sur la gestion des micro-projets chez toutes les femmes. Voilà. Donc, il y a des moments où ces localités sont submergées par l'eau. Ça provoque des difficultés de déplacement d'une rive à l'autre. Et les gens peuvent se ravitailler sur place à partir des banques de céréales jusqu'à ce que la période de crue arrive. Et aisément, ils peuvent aller vers d'autres contrées pour pouvoir se procurer des vivres. D'accord, vous nous parlez de Kaye. Quand on jette un coup d'œil sur la littérature, on voit que vous êtes un peu dans le sud pour ce projet-là. Pourquoi cette partie qui n'est peut-être pas la partie la plus agitée du Mali aujourd'hui ? Effectivement, nous avons réorienté nos activités vers les régions sud,
ou des régions qui ne sont pas actuellement en proie à la violence. Les régions, certaines régions nord et centre du Mali sont dans une spirale de violence et qui recule évidemment actuellement avec la bienveillance des forces de défense et sécurité, avec la bonne volonté des autorités de la transition pour pouvoir faire reculer le phénomène de l'insécurité dans notre pays. Donc on s'est dit, bon, pour ne pas être anticipatif, certaines localités qui ne sont pas en proie au conflit aujourd'hui, avant que ces localités ne basculent dans un conflit, dans le cycle de la violence, nous décidons de récupérer les armes auprès de ces communautés-là. C'est pour ça, lorsque vous voyez nos activités actuellement, c'est centré vers les régions sud, la localité de Kaï, la localité de Ségou, la localité de Sikasso, surtout la bande frontalière avec la Guinée. Surtout la bande frontalière de la Guinée, toutes les zones frontalières de la Guinée sont concernées par les projets actuellement. Vous faites de la prévention. Nous faisons de la prévention. Et une fois que nous allons parvenir à récupérer le maximum d'armes dans ces différentes localités qui ne sont pas dans un cycle de violence, il est fort probable que ces localités ne puissent plus basculer dans la violence. Vous avez parlé de la Guinée, vous avez lancé justement une opération de sensibilisation, si je ne m'abuse, c'était en juin dernier avec ce pays frère. Pour quel objectif et quel résultat finalement? Le projet avec la Guinée, c'était un projet transfrontalier. C'était de renforcer la résilience communautaire auprès de ces communautés-là. Et, étant donné que nous partageons beaucoup de liens avec la Guinée, des liens séculaires surtout, donc nous avons décidé de... Et puis, à un moment donné, il faut reconnaître que la Guinée est a été une zone de passage, peut-être, selon certaines études, des armes vers le Mali. Donc, à cause de la porosité des frontières, raison pour laquelle nous avons décidé d'accentuer nos activités auprès des communautés des deux côtés de la frontière. Les mettre au devant de la scène, les mettre au devant des objectifs pour les demander d'être impliqués dans la problématique sécuritaire parce que les conséquences immédiates de l'utilisation des armes, ce sont les populations. Donc, les populations étant à la fois acteurs et enjeux, donc il faut les mettre au devant de la scène, au cœur de la lutte contre les armes légères et petits calibres. Donc, nous avons pu obtenir un financement et avec les autorités guinéennes et les autorités maliennes des parts et d'autres, nous avons élaboré ce projet-là qui va de la sensibilisation au dépôt volontaire des armes et le renforcement des capacités des communicateurs traditionnels pour prêcher la bonne parole, même en absence des structures étatiques qui ont en charge ces phénomènes-là. Chacun a un rôle à jouer. Et à l'issue, c'est un projet d'un an, à l'issue, nous allons passer pour voir s'il y a des possibilités de récupérer des armes. Et s'il y a des dépôts volontaires, ces armes seront récupérées également et stockées, sécurisées de façon adéquate. Là, on est dans une opération, on va dire, transfrontalière, transnationale. Le Mali, quand même, c'est beaucoup de frontières. Est-ce que vous avez envie de dupliquer ça ailleurs? Ce projet est venu trouver déjà d'autres projets. Il y a le projet qu'on a dénommé Opération CAFO. CAFO, ça signifie se mettre ensemble. C'est un projet qui concerne un certain nombre de pays, notamment le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée, le Bénin, le Tchad, le Ghana. Donc ça, c'est un projet transfrontalier également. Il s'agit pour nos différents pays de mettre nos forces ensemble au niveau des zones frontalières sur une période donnée pour mener des opérations de fouilles, pour mener des opérations de récupération des armes et avec plusieurs acteurs au plan national. Donc cette opération CAFO est à sa 5e édition qui commence bientôt. Donc il y a d'autres activités transfrontalières. Tout dépend des affinités ou des liens qui mettent les pays en commun. Donc cette activité avec la Guinée peut être dupliquée avec le Burkina et de façon bilatérale avec le Niger. Justement, le Burkina, le Niger, l'AES, la Confédération aujourd'hui, en quoi est-ce que ça va vous aider dans cette tâche-là, dans ce travail-là? Nous sommes actuellement en réflexion avec nos pays de l'AES, notamment le Burkina, le Niger, pour quand même harmoniser nos procédures, pour harmoniser les procédures en matière de lutte contre les armes légères et petits calibres, en ce sens que le Mali était parti à la convention de la CEDEAO. Et à mon avis, cette convention n'est plus d'actualité pour le Mali, la Guinée et le Burkina. Je parle au nom du Mali, cette convention n'est plus d'actualité. Donc, en absence d'un test, il faudra que nous puissions nous mettre ensemble pour quand même harmoniser nos procédures en la matière. Nos procédures en la matière, ça va faciliter plus les discussions et également mettre en place des mécanismes pour pouvoir aller vers une approche régionale. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place un mécanisme au Mali de lutte contre les armes légères et petits calibres. Et si le voisin n'a pas les mêmes potentialités de réponse, il va de soi qu'il y aura un déplacement
des acteurs ou des armes d'un point A vers un point B. Raison pour laquelle il faut une dynamique régionale, c'est mettre ensemble et lutter ensemble de façon coordonnée et de façon conjointe. Est-ce que le processus il est enclenché ou bien il est tout simplement envisagé pour l'instant? Non, le processus il est enclenché parce que avec les échanges que nous avons eus avec les présidents de commission du Niger et du Burkina, je pense que le Burkina est beaucoup plus avancé pour recevoir la première activité des réunions des pays, des trois pays, pour discuter un peu de l'avenir des commissions et les mécanismes à mettre en place pour parer quand même aux éventualités par rapport à l'insécurité et par rapport au trafic des armes. D'accord, nous avons beaucoup parlé du sud, hein. Parlons un peu du nord et du centre. Comment est-ce que ça se passe de ce côté, la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre? Nos actions, c'est sur l'ensemble du territoire national. Il ne s'agit pas seulement des actions qui sont ponctuelles dans la localité sud du Mali. Les actions, c'est sur l'ensemble du territoire. Et nous avons des unités déconcentrées dans chaque région. Nous avons un bureau régional à Gao, un bureau régional à Tombouctou, un bureau régional à Mopti. Donc, et Menaka également. Nous avons un bureau régional. Donc, ces bureaux régionaux constituent des relais pour le secrétariat permanent en matière de lutte. La lutte, ce n'est pas seulement à Bamako, dans les régions sud. Donc, les mêmes programmes sont dupliqués dans ces régions-là. Les campagnes de sensibilisation. Mais ça se passe comment avec un processus de DDR qui, théoriquement, est censé être là pour ces régions? Oui, nous avons une similitude avec ce que le DDR fait, mais c'est des missions qui ne sont pas. Les mandats ne sont pas les mêmes. Le DDR a été mis en place pour prendre en charge les groupes signataires de l'accord d'Alger en son temps. En son temps. Parce que quand il y a eu l'accord d'Alger, le DDR, la commission nationale DDR a été mise en place et qui devait prendre en charge la récupération des armes au sein des groupes signataires. En marge de ces groupes-là, il y a d'autres acteurs qui ne sont pas des groupes signataires. Et ces différents groupes qui ne sont pas signataires sont pris en compte par la Commission nationale de lutte contre les armes légères et petits calibres. Donc voilà la différence fondamentale qui existe entre la Commission nationale des DDR et le secrétariat permanent. Nous faisons du désarmement communautaire, mais ce n'est pas spécifiquement orienté vers les acteurs qui ont signé l'accord pour la paix issu du processus. Et vous arrivez à le faire dans ce contexte d'insécurité? Dans ce contexte d'insécurité-là, on le fait, mais on fait en synergie d'action avec la Commission nationale des DDR, avec qui nous partageons beaucoup de choses, non seulement des informations, mais des activités également que nous menons ensemble de façon conjointe. Donc, il y a des dépôts volontaires qui se font à notre niveau. Des gens qui viennent déposer les armes pour pouvoir, ou des groupes d'individus qui viennent déposer les armes pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là. À Koro, il y a eu des cas comme ça où nous avons pu appuyer 10 jeunes influents en fonction de leurs besoins spécifiques, en fonction de ce qu'ils veulent faire. Certains ont opté pour l'élevage des volailles, certains ont obligé pour l'élevage bovin, certains ont opté pour le maraîchage, etc. Donc, voilà un peu. Donc, s'il y a des groupes qui ne sont pas inscrits dans le DDR, ces groupes-là viennent nous voir et puis, dans le cadre du dépôt volontaire, nous faisons la récupération des armes. Alors, colonel Diarra, vous avez parlé de ce plan d'action quinquennal qui court depuis 2019. On peut considérer qu'il est à sa fin aujourd'hui. Alors, quelles étaient les activités phares et quel bilan est-ce qu'on peut tirer à la date d'aujourd'hui? C'est un bilan mitigé, je le dirais, parce qu'il faut reconnaître que nous n'avons pas atteint le maximum de potentialité de ce plan d'action. La raison principale évoquée, c'est surtout le manque de ressources à un moment donné. C'était trop ambitieux? C'était vraiment ambitieux. D'accord. Et un plan quinquennal où il faudrait mobiliser 1 milliard par an, s'est retrouvé pour 5 ou 6 milliards pour les 5 ans. C'était vraiment ambitieux. L'État a joué énormément sa partition à travers le ministère de la Sécurité, grâce à la clairvoyance du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui nous a beaucoup appuyé, qui a mis certains moyens à notre disposition pour pouvoir quand même mettre en œuvre les activités phares qui sont prévues dans ce plan d'action-là. Le reste des financements devait provenir des partenaires techniques et financiers. Et la conjoncture mondiale fait que les finances sont limitées un peu partout, raison pour laquelle les objectifs assignés à ces plans d'action-là n'ont pas pu être atteints. Donc nous avons évalué ces plans d'action. Il y a des activités prioritaires qui n'ont pas pu être mises en œuvre, seront réversées dans le nouveau cycle qui va commencer en 2024-2025. Donc notre plan d'action reposait sur des activités telles que l'atténuation. Des activités prioritaires telles que l'atténuation de la possession civile des armes, le renforcement des capacités des acteurs des forces de défense et de sécurité, surtout la réalisation des capacités de stockage des armes issues du stock et de l'État, également la relecture des textes pour les mettre en harmonie avec les accords que nous avons signés. Également, on avait mis un accent
particulier sur le contrôle de la fabrication artisanale des armes, avec une actualisation du répertoire des artisans fabricants d'armes, la reconversion également des artisans pour les orienter vers d'autres secteurs d'activité. Nous l'avons fait, mais on l'a fait avec les jeunes fabricants. Les jeunes fabricants que nous avons avec l'état-major général des armées, et nous avons pu retirer une centaine de la fabrication artisanale pour les insérer dans les forces de défense et de sécurité, afin qu'ils puissent quand même apporter leur expertise, parce qu'ils ont une certaine dextérité, leur expertise à la fabrication ou à la réparation des armes au niveau de nos forces de défense et de sécurité. Dans les grandes lignes, le nouveau plan d'action, il va s'accentuer sur quoi ? Toujours, il y a un accent particulier qui sera mis sur l'atténuation de la possession civile des armes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on va toujours continuer le contrôle de la fabrication. Ça, c'est le point clé également. La fabrication artisanale, évidemment. Et également, le troisième point, c'est surtout, toujours dans le cadre de la lecture de nos textes, dans le cadre du renforcement de nos dispositifs, de nos batteries, de textes encadrant, comment on appelle ça, la problématique liée aux armes légères et petits calibres, pour intégrer d'autres faits nouveaux qui ont fait leur apparition sur le plan national. Et également, on va mettre un accent sur la reconversion. La reconversion et la création des projets d'opportunités à l'endroit de toutes les communautés, pour quand même, dans le cadre du développement, pour leur orienter leurs activités vers des activités qui peuvent, des activités génératrices de revenus, afin d'abandonner la pratique d'usage des armes dans le banditisme, dans le brigandage. On a donc épuisé le temps qui nous est imparti. On va terminer sur cette question. À quand la fin des armes légères et de petit calibre? Ou bien c'est un combat sans fin que vous menez? Vous êtes convaincu que c'est un combat sans fin? Une question délicate, vraiment une question pertinente également. C'est une lutte de longue haleine. Une lutte de longue haleine. Tant qu'il y a d'autres velléités, il y a des facteurs de conflit qui sont là. Les armes ne sont pas à l'origine de conflits, ça il faut le reconnaître. Les armes contribuent à augmenter ou à exacerber le conflit. Tant qu'il y a des conflits, tant que les conditions ne sont pas créées pour mettre fin au conflit, les armes vont toujours circuler, que ce soit au Mali ou hors de notre territoire. Donc, raison pour laquelle il faut créer les conditions d'une paix durable. Les conditions d'une paix durable, ça passe par plusieurs facteurs, évidemment. Donc, ça passe par des facteurs démographiques, ça passe par des facteurs politiques, des facteurs de développement. Donc, mis bout en bout, ces différents facteurs, ça peut amener une certaine stabilité relative. Donc, tant que ces différents leviers ne sont pas actionnés pour permettre une certaine stabilité, les armes vont toujours s'inviter dans le concert des conflits. Dire qu'on pourra mettre fin à la problématique des armes, je ne pense pas que ce soit pour aujourd'hui. Mais on va jouer notre partition pour quand même effréner la propagation ou la prolifération de ces armes dans notre espace, pour permettre à nos populations de vivre dans une quiétude, dans une tranquillité, gage d'un développement. Colonel Diarra, nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'Invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.